Écriture inclusive. Est-ce que Jean-Michel Blanquer a raison de dire non, pas à l'école. Après, si vous voulez, mais pas à l'école, ça va complexifier et exclure un certain nombre d'élèves. Rosa Méziane. Assez naturellement, je prône l'inclusion et à un moment donné où on va exclure des femmes ou des personnes de par leur genre ou leur handicap, assez naturellement, j'ai envie de dire oui. Sauf que moi, j'ai géré deux centres de formation pour des jeunes sortis du système scolaire et j'ai été confrontée à la difficulté en fait de l'apprentissage du français pour des personnes qui sont français. Moi, je vois à quel point, même si ça reste très anecdotique, la question des points et des tirets, c'est très inesthétique, mais ça, qu'on le veuille ou non, ça complexifie la compréhension en fait du français. Moi, je suis pas spécialiste, je suis pas capable de parler pendant des heures sur l'histoire de l'écriture française. Vous n'en voulez pas l'écriture ? Par contre, non, j'ai assez naturellement, j'en ai pas envie. Je crois que le vrai enjeu, et je suis assez d'accord sur le fait que ce soit quelque chose de riche. Le vrai enjeu, c'est de transmettre la communication orale, c'est de transmettre beaucoup plus de vocabulaire, c'est d'être capable de transmettre nos règles grammaticales, parce que c'est là le fondement aujourd'hui de notre langue française. Et la dimension idéologique, par exemple, le fait que tout le monde dise les femmes de ménage, les femmes de chambre, les hommes politiques. Sur la partie d'ailleurs, on dit la même chose. Ça n'a rien à voir avec l'écriture inclusive. L'écriture inclusive. Monsieur Blanquer a quand même nuancé ses propos. Il a expliqué que sur tout le volet inclusivité au niveau de la féminisation en fait des métiers, c'est naturel. Donc ça, moi, je partage. Mais sur le reste, sur l'écriture, on va voir des tweets ou des articles de presse. Avec des tirés. Non, je vais vous dire, si moi ça me perturbe, imaginez en fait une personne qui est sortie en fait en 5e du collège. C'est extrêmement difficile. Ça vous perturbe parce que c'est tout nouveau. Non, 5 ans, ça...